Bonjour, donc Thierry Bamas, maire de France pâtissier. Donc là, je vais vous présenter la verrine Musicao. Donc c'est une verrine de petits contenants dans lequel on va pouvoir y mettre trois textures. Donc on aura un sorbet à partir de la pulpe de cacao, c'est-à-dire de cabosse, qui est le mucilage. Ensuite, on aura le coulis de mangue et passion, un parfait caramel. Et on terminera par des petits dés de guimauve au Musicao. Voilà. Donc, on va commencer par le sirop. Donc, ce sirop de l'eau, glucose atomisé, sucre, stabilisateur et de l'inuline. Donc, ce sirop, on le prépare à l'avance, c'est-à-dire qu'une fois qu'il sera prêt, on va le mettre à refroidir minimum 4 heures, voire 24 heures. Et le lendemain, ou au bout des 4 heures, on va ajouter la pulpe de mucilage pour terminer notre sorbet. À partir de là, on va prendre le Brix, le ramener à 32. Si on est trop haut, on rajoutera de l'eau pour l'équilibrer. Donc le Brix, très important pour la texture finale de notre sorbet. Alors le rôle de l'inuline dans ce sorbet, c'est vraiment d'amener de la structure à notre sorbet, donc plus de d'onctuosité et en même temps va jouer le rôle complémentaire du stabilisateur au niveau de la tenue de notre sorbet. Voilà, donc ce sirop, je vais le mixer et le réserver. Donc là j'ai mon sirop, donc sirop qui a épaissi, qui est froid, voilà, d'accord, et ma pulpe de mucilage ici que je vais incorporer dans mon sirop et je mixe. Voilà, donc là maintenant je vais prendre le Brix. Donc je vais être à 32, là je vais être certainement un peu plus, voilà je suis à 36,9, voilà donc là qu'est-ce que je fais? Eh bien je rajoute de l'eau, voilà, 32,1, donc là c'est bon, je vais pouvoir mettre ce sorbet à turbiner. Donc là, notre sorbet, voilà, très belle texture, très belle couleur. Donc à partir du Musicao. Donc ça, on va le mettre dans notre verrine, petite verrine ici. Voilà. On va le mettre à peu près jusqu'ici. Alors, c'est important de bien l'équilibrer parce qu'on va avoir après un petit coulis banque passion, un parfait caramel. Il faut quand même qu'on le retrouve, ce sorbet. C'est un sorbet qui a une saveur extraordinaire. Mais associé aux deux, s'il n'est pas assez présent, on peut effectivement le trouver un petit peu en deçà de ce qu'il pourrait être. Donc attention au dosage du sorbet. Donc une fois que j'aurai mis mon sorbet, je vais les mettre au froid et je pourrai ensuite rajouter mon coulis. On va mettre le coulis mangue passion à l'intérieur de nos verrines dans lesquelles j'ai déjà mis le sorbet Musicao. Ce coulis mangue passion, c'est tout simple, j'ai mixé du nappage neutre avec un peu de coulis passion et coulis mangue. En fait, il y a 250 g de passion, 250 g de mangue et 250 g de nappage neutre. Alors, c'est très important quand on met le coulis, non plus de pas trop en mettre, parce que, bon, il y a du sucre, hein, mais c'est surtout que pensez toujours à l'équilibre, d'accord? L'équilibre entre le parfait caramel qu'il va y avoir, le sorbet Musicao et le coulis. Alors, bien sûr, ne cherchez pas avoir quelque chose de parfaitement droit, parfait, voilà, c'est poché à la main, c'est un sorbet, on n'est pas
On peut pas avoir quelque chose de, on peut l'avoir le plus régulier possible, mais on va pas avoir quelque chose de droit. Bon, je vais le peser quand même pour qu'on puisse avoir une idée de ce que je mets. Je pense que ça va être autour de 20 grammes. Voilà. Ouais. 10 grammes. Voilà, 10 grammes, pas plus. C'est très bien. Voilà, ça on repart au congélateur. Et ensuite, on va y ajouter le parfait caramel. Alors là, on va préparer le parfait glacé caramel. Donc dans ce parfait glacé caramel, on a quoi? On a un sirop de sucre qu'on va verser sur des jaunes d'œufs pour faire ce qu'on appelle une pâte à bombe. À côté, on a une crème fouettée. Ici, du sucre qui va nous servir à faire le caramel. Et là, de la crème qui nous sert à décuire le caramel. Voilà. Et on va verser ça sur les jaunes d'œufs. Donc là, on va réaliser le parfait glacé caramel. Parfait glacé caramel, on a de la pâte à bombe. Donc je rappelle, ça a été le sirop versé sur les œufs monté au batteur. La crème fouettée, donc pas trop montée. Et le caramel qu'on a décuit avec la crème. Donc là, je vais mélanger la pâte à bombe avec la crème fouettée. Et ensuite, je vais terminer avec le caramel. Un peu de caramel avec la pâte à bombe qui reste dedans avant de faire le mélange définitif. Donc je rappelle que dans notre verrine, on avait le sorbet Musicao, le coulis mangue passion. Donc là maintenant, on va y ajouter le parfait caramel. Et on terminera avec un peu de coulis en surface mangue passion. Donc là, on a nos verrines, donc, dans lesquelles on a le parfait, le sorbet Musicao et le coulis mangue passion. Donc là, maintenant, on va mettre le parfait caramel. Donc on a quelque chose d'assez léger. Alors vous voyez que le fait d'avoir poussé quand même le caramel, on a quand même une couleur assez pastel. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à le pousser un peu le caramel, sinon on va avoir quelque chose de très clair. Par contre, au niveau des couleurs, c'est très, très agréable parce qu'on est sur quelque chose d'assez... Voilà, d'assez, on va dire, pastel, mais en même temps, on scinde bien les différentes couches de notre verrine. Voilà, donc ça, on va le remettre au congélateur. On va terminer avec un petit coulis mangue passion. Et après, la petite finition qui sera des petits dés de guimauve avec la guimauve qu'on a réalisée à partir de la purée, enfin la pulpe Musicao. Voilà. Voilà, donc là, maintenant, on va terminer la verrine avec, donc, le même coulis que l'on avait tout à l'heure au milieu, c'est-à-dire coulis mangue passion. Donc, sur le parfait caramel cette fois-ci. Donc là, c'est pareil. Hein. Ne pas trop en mettre pour ne pas sucrer la verrine. Voilà. En même temps, le rôle de ce coulis, c'est d'imperméabiliser notre parfait, d'éviter qu'il sèche. Le coulis est mis. Donc, il y a deux options. Soit on les présente en vitrine, tel que je vais le faire là maintenant, avec des petits dés de guimauve Musicao dessus. Voilà. Soit on terminera en operculant la verrine, qui permet effectivement de la vendre telle qu'elle, comme ceci. Les gens peuvent partir avec sans problème. Tout dépend en fait de l'exposition qui est la vôtre, si c'est une exposition vitrine ou si c'est juste à emporter.